Hello and welcome to the Circular Metabolism Podcast. This podcast is hosted by the Chair of Circular Economy and Urban Metabolism held by Aristide Athanasiadis and Stefan Kamperman at the Université Libre de Bruxelles. In this podcast, we talk with researchers, policymakers, and different practitioners to unravel the complex aspects of what makes urban metabolism and economies more circular. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme. Ce podcast est produit par la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain de l'Université Libre de Bruxelles, qui est tenue par Aristide Athanasiadis et Stefan Kamperman. Dans ce podcast, nous discutons avec des chercheurs, des administrations et des praticiens pour éclaircir les différents aspects qui rendent l'économie et le métabolisme de nos villes plus circulaires. Dans ce septième épisode du podcast Circular Métabolisme, nous avons reçu notre collègue Jean-Baptiste Baers au cours de sa visite à Bruxelles pour qu'il nous parle de la territorialisation de l'économie circulaire. Jean-Baptiste est actuellement chargé de recherche CNRS dans le laboratoire Espace et Société de l'Université de Nantes. Il est également membre du comité de rédaction de la revue Flux. Sa thèse de doctorat, réalisée en 2012, portait sur les dynamiques des filières de récupération-recyclage et écologie territoriale en Midi-Pyrénées. Depuis 2013, il était enseignant-chercheur en évaluation environnementale et écologie territoriale à l'École des métiers de l'environnement de Rennes et était responsable pédagogique du master spécialisé en économie circulaire. La première raison pour laquelle je voulais inviter Jean-Baptiste sur le podcast était pour parler de l'écologie territoriale, une discipline made in France. Il s'agit du champ scientifique qui analyse de manière systémique les aspects matériels et immatériels des territoires proposés entre autres par Sabine Barle et Nicolas Buclet. Cette discipline se situe dans la continuité de l'écologie sociale de Vienne et se distingue de l'écologie industrielle telle qu'elle est entendue en France et qui est souvent résumée à la symbiose entre entreprises. Ceci veut dire que l'écologie territoriale s'intéresse autant aux flux qu'aux conséquences sociales et territoriales de ces flux. La nouveauté de cette discipline, cependant, est qu'elle cible les territoires, et notamment le territoire urbain. Cette nouveauté permet d'aller au-delà du simple exercice quantitatif d'un métabolisme territorial où seul le système est étudié, et non pas ce qu'il existe à l'intérieur et aux bornes de celui-ci. En d'autres termes, le premier intérêt de cette territorialisation est d'effectuer une différenciation spatiale au sein d'une ville pour identifier les drivers ou moteurs de consommation. Le deuxième intérêt est la prise en compte de l'externalisation du métabolisme, donc ce qui se passe à côté de nos territoires, mais qui n'est pas vraiment visible. La deuxième raison de cette invitation et parce que Jean-Baptiste avait été l'évaluateur externe des deux premières années du programme régional d'économie circulaire de Bruxelles. Bien qu'il s'agisse d'un exercice assez difficile de premier abord, il souligne que le programme avait une bonne diversité d'actions, cochant pas mal de cases. Selon lui, le programme présentait quand même quelques angles morts, particulièrement d'un point de vue de l'évaluation et des indicateurs sur l'évolution de la consommation, le recyclage, l'addition au stock, mais aussi l'externalisation. Par exemple, comment évoluer l'efficacité des différentes initiatives d'économie circulaire se multipliant sur les territoires? Pour les petites et nouvelles initiatives, il faut faire attention de ne pas les juger uniquement sur le terme des flux, car ce sera toujours marginal. Mais s'il n'y a pas d'effet sur les flux, à quoi bon? Du coup, c'est une question assez complexe qui est difficile aujourd'hui de répondre de manière certaine, mais il est clair que l'économie circulaire ne doit pas uniquement répondre à des critères de développement économique. Au contraire, il serait d'abord nécessaire de fortement réduire notre consommation avant d'essayer d'utiliser l'économie circulaire pour boucler le reste des flux sur nos territoires. Nous finissons notre discussion en abordant la question du rôle des chercheurs dans la quête de circularité, et en se demandant quelles synergies peuvent et doivent exister avec d'autres acteurs. Profitez de cet épisode et n'oubliez pas d'aller sur notre site internet circularmetabolisme.com pour le reste de nos productions.
Pour nous aider à améliorer notre podcast et profiter des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre application favorite comme YouTube, iTunes, Spotify ou Stitcher. Et n'hésitez pas à nous y laisser un commentaire. Bienvenue à Bruxelles. Merci. Tu nous arrives de Nantes pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe chez nous. Ouais. Et on va en parler bientôt. Tu as aussi eu un regard critique sur le programme régional d'économie circulaire de Bruxelles. Mmh. Mais peut-être ce serait bien de voir un peu quel est ton regard et comment tu as construit ce type de regard. Tu as un background de écologie industrielle, écologie territoriale, métabolisme urbain, enfin je ne sais pas qu'est-ce qui te caractérise le mieux. Mmh. Et comment en France on navigue dans ces eaux troubles. Bah, disons qu'en France, là, pour revenir sur ces sujets-là, on va dire que le champ scientifique, c'est plutôt celui de l'écologie territoriale se veut une compréhension systémique, matérielle et immatérielle des territoires. Sabine Barle et Nicolas Buclet ont proposé ce champ-là un peu dans la continuité de l'écologie sociale de Vienne et de l'écologie urbaine. Et aussi un petit peu dans l'idée de se dissocier de la notion d'écologie industrielle telle qu'elle est appliquée en France, c'est-à-dire vraiment très focalisée sur en fait les synergies entre entreprises. Voilà, le problème un peu de la traduction de l'industrial ecology comme le champ scientifique bien stabilisé anglo-saxon en France, on a perdu beaucoup de choses. Et ça s'est essentiellement concentré sur ces questions, voilà, de synergie, de substitution, de mutualisation, de déchets entre entreprises. Et donc du coup, voilà, les chercheurs ont un peu fait sécession de cette idée-là pour monter un autre champ plus territorialisé, plus urbain aussi, et qui s'intéresse autant aux flux qu'aux conséquences sociales et environnementales de la circulation de ces flux. Donc voilà, je m'inscris un peu plus dans cette orientation-là. Mais là, tu as déjà mentionné deux petites choses qui sont intéressantes. Déjà, tu considères que nos collègues anglo-saxons offrent d'autres perspectives aussi dans le domaine d'écologie industrielle ? Oui, je pense que le champ est plutôt vaste. Hein, il suffit de regarder ce qui se fait voilà, dans leurs grandes conférences sur l'écologie industrielle. Il y a autant les thèmes de la consommation et production durable que les systèmes urbains. Et les synergies industrielles ou entre entreprises sont une partie de ces choses-là. Alors pour autant, c'est vrai que tu as raison de le mentionner, quand on parle d'écologie territoriale en France, c'est aussi l'idée de se dire que ça ne peut pas être que centré sur l'ingénierie des flux. Peut-être c'est un peu la critique qu'on peut faire sur le champ scientifique anglo-saxon de l'industrial ecology, très techno-centré. Et l'écologie territoriale en France ou l'écologie sociale se veut un peu plus étendue aux processus humains, sociaux, sociétaux, et avoir un regard voilà, sur tout ce qui aussi va un peu au-delà de la matérialité et qui est plutôt sur les questions de gouvernance, d'organisation entre acteurs, ce genre de choses. Et tout ça, c'est quelque chose vous vous êtes mis d'accord de définir l'écologie territoriale par rapport à ça. Comment on crée ce type de... Parce que, est-ce que c'est la même chose ou pas que le métabolisme urbain et au lieu de remplacer urbain par territorial, est-ce que c'est la même chose? Ou comment on fait pour créer une discipline ou comment celle-ci c'est... Quand on est professeur d'université, quand on a un type de background derrière soi, quelques doctorants, c'est plus facile pour faire émerger un champ scientifique de ce type-là. Donc c'est le cas de Sabine Barle et Nicolas Buclet dont j'ai parlé. Et puis c'est vrai qu'il y avait un réseau quand même de chercheurs qui se connaissaient, qui se rencontraient à différents lieux, à différents moments. Et donc c'est comme ça un peu qu'a émergé le sujet. Je pense qu'on s'est tous rendu compte de la même chose, que l'écologie industrielle telle qu'elle était appliquée, appropriée en France, était trop réductrice au simple échange entre acteurs économiques. Et donc surtout quand on vient de l'aménagement du territoire ou de la géographie, comme certains des collègues, on ne peut pas se contenter de cette vision-là. Ça, c'est une première chose.
Et la deuxième chose, c'est que c'est vrai que ça reprend aussi un peu, évidemment, les notions de métabolisme urbain et métabolisme territorial sont au cœur de ce champ-là. Alors, c'est vrai qu'on fait un peu, je fais un peu la distinction entre le champ scientifique qui va regrouper différentes choses et, quelque part, les concepts associés, les outils associés, dans lesquels je mettrai plus voilà, les enjeux de métabolisme là-dedans. Ok, et donc, c'est quoi un peu les... J'imagine que... Comme c'est assez nouveau comme discipline, comme approche, il y a encore beaucoup de devenir, il y a encore beaucoup de réinterprétation. Toi, tu as déjà eu plusieurs territoires où tu as déjà étudié plusieurs, soit différents flux, soit différents territoires. Est-ce que c'est par cette étude un peu comparative où on commence à consolider ce domaine ou cette discipline ? Ouais, t'as tout à fait raison. C'est vrai que c'est aussi en multipliant les cas d'études, en ayant des regards croisés sur ce qui se fait dans différents territoires aussi, dans différents, on va dire, typologies de territoires. Parce que par un travail qui est important, c'est qui a été fait sur le métabolisme d'Aussois, qui est une commune très rurale. Voilà. Moi, j'ai travaillé sur des communes urbaines, mais pas des mégalopoles comme Rennes, Le Mans ou par exemple Nantes, en tout cas en ce qui concerne la France. Et donc, ce qu'on peut appeler ces métropoles régionales ont vraiment des contextes très très différents d'une mégalopole comme Paris, où des études ont déjà été poussées de métabolisme urbain, vraiment de manière très approfondie, ou dans d'autres territoires ruraux. Donc, pour parler des villes que je connais bien, c'est vrai que c'est assez singulier dans le sens où il y a quand même ce qu'on observe quand on comptabilise les flux et qu'on regarde en termes de gouvernance d'acteurs, il y a quand même une proximité relative entre ces métropoles et leur territoire environnant assez proche. En tout cas, en ce qui concerne certains. En termes d'approvisionnement, en tout cas, pour les grands flux, notamment matériaux de construction et minéraux, la biomasse alimentaire ou autre, sur ces choses-là. Pour d'autres flux tels que les combustibles fossiles ou les produits manufacturés, c'est fichu, là, peu importe d'où on parle, c'est déjà extrêmement mondialisé. Mais en tout cas, pour ces gros flux de biomasse et de matériaux de construction, c'est l'approvisionnement et en partie régional, en partie effectivement plus globalisé, mais en tout cas il y a des capacités de production, voilà, parce qu'il y a des territoires ruraux environnement, c'est un peu ce qu'on appelle les relations entre ville et campagne, qui sont encore pas préservées comme au 19e siècle, mais qui sont encore présentes, on va dire. Et est-ce que c'est parce que dans ton cas tu parles de Loire-Atlantique, de Bretagne, est-ce que parce qu'il y a de l'agriculture là-bas, on peut se dire ça. Est-ce qu'on peut faire le même, la même comparaison vers un autre territoire, je ne sais pas, dans d'autres régions en France, ou alors c'est vraiment la taille des villes et du coup leur empreinte métropolitaine réduite qui fait que finalement le hinterland est réellement réduit ou pas? Ouais, t'as raison. C'est vrai que les contextes géographiques dont je parle, Bretagne et Pays de Loire, déjà il y a une agriculture qui est encore très présente, et puis il y a aussi des matériaux de construction aussi, et notamment des carrières qui existent depuis longtemps. Et il y a des capacités. C'est vrai que si on transposait, je sais pas, par exemple dans la vallée du Rhône, ce serait à mon avis peut-être plus compliqué. Mais dans d'autres métropoles régionales ou plus petites, je pense à d'autres dans le Sud-Ouest, il y a probablement des choses assez aussi similaires, en tout cas dans on va dire des relations entre territoires de consommation, parce que les villes, en fait, ce sont juste des territoires de consommation, il ne faut pas se leurrer. L'idée qu'on peut tout faire, que ce soit circulaire à l'échelle d'une ville, c'est complètement impossible. Mais à l'échelle ville-région, ce qu'appelle l'UNEP l'échelle ville-région, et donc ce que, par exemple, en France, c'est un peu l'idée de métropole avec département ou région, il y a des relations, on va dire, assez conséquentes entre ces territoires de production, qui sont aussi parfois des territoires de déchets, en fait, qui vont recevoir un certain nombre de rejets de déchets, et leur territoire de consommation propre. Mais du coup, parlons-en, parce que tu utilises souvent le mot de territorialisation du métabolisme urbain, ou le mot territorialisation des flux, ou des enjeux, entre guillemets. Ce que je trouve est manquant aujourd'hui dans ce qu'on appelle
appelle le métabolisme urbain. En fait, une fois qu'on a passé la première étape de quantification, souvent on nous dit « et quoi ?» Qu'est-ce qu'on fait après grâce à ces études ? Et je pense que la territorialisation nous permet réellement d'avoir de déconstruire certaines fausses idées, premièrement. C'est-à-dire que quand on parle de consommation, ce n'est pas tout le monde, c'est cette personne et cette personne qui consomme. Et puis, c'est des certains lieux, quoi. Quand il y a une industrie qui va consommer, disons, un tel pourcentage de quelque chose, et qu'on a beau vouloir faire autant de solutions qu'on veut, si cette industrie dit non, on l'a dans l'os. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre grâce à cette territorialisation, et comment on peut aller au-delà du simple, juste aspect quantitatif? Oui, déjà, tu as raison. Le constat, c'est que dans ces études de métabolisme urbain, on reste parfois à une échelle un peu système. On regarde ni ce qui est à l'intérieur, ni ce qui est aux bornes du système. Et donc, les deux, à mon avis, les deux pistes sont intéressantes. La première est donc de faire un peu de la différenciation spatiale au sein d'une ville pour essayer de voir s'il y a des drivers particuliers de consommation. Et donc, c'est le cas. Clairement, à l'échelle des quartiers, il y a des grandes différences de consommation de flux. Et moi, ce qui m'intéresse peut-être plus, c'est la deuxième piste, c'est un petit peu ce qui se fait aux bornes du système. En fait, c'est tout ce qui va être concerné, ce qu'on appelle l'externalisation du métabolisme, tout ce qui se passe à côté et qu'on ne voit pas bien et qu'on se dit, voilà, ça rentre, ça sort, et puis bon, peu importe finalement ce qui se passe après. Et donc ça, ces relations entre Interland et ville et territoire de consommation, elles sont assez complexes. C'est pas juste certains chercheurs pourraient dire la théorie de l'urbain généralisé, c'est-à-dire la ville consomme tout et gouverne tout et contrôle tout. Mais il y a peut-être des relations plus complexes que ça. Les territoires ruraux ont aussi leur propre stratégie. Dans une logique de compétitivité, mais aussi des fois dans une logique de différenciation, d'hétérogénéité, qui donne lieu à voir des dynamiques hyper intéressantes. Mais du coup, ces territoires, entre guillemets, qui sont un peu victimes de la ville autour d'elles, où soit ils sont prisonniers en sandwich de ville, soit il y a juste une ville qui est vraiment responsable de beaucoup de choses par rapport à leur flux et par rapport à leur fonctionnement. Est-ce qu'on doit commencer à repenser à des systèmes de gouvernance si ce territoire n'a pas envie de traiter les déchets de cette ville, et sachant que le Interland est mondialisé pour certains flux, tu as parlé des énergies fossiles, mais c'est le cas pour des métaux, pour d'autres, pour les déchets électroniques, le plastique un peu moins. Aujourd'hui, la Chine a dit on arrête avec vos importations de déchets plastiques. Là, on parle d'autres échelles. Donc autant, disons, à l'échelle de la région, on peut se dire ok, c'est peut-être faisable, il y a une certaine gouvernance qui peut se mettre en place. Quelle est cette gouvernance, reste encore un sujet ouvert. Et comment on s'occupe encore de d'autres échelles, quoi? Qu'est-ce qui pousserait c'est quoi la direction, quoi? Ouais, c'est sûr que c'est compliqué. En tout cas, à l'échelle en fait de la région ou des villes, donc une échelle plutôt resserrée, on peut dire quasiment qu'il n'y a quand même pas grand-chose qui se passe. Notamment parce que en général, les échelles territoriales des politiques publiques sont hyper mal adaptées. Soit on fait son plan d'économie circulaire à l'échelle de la ville, et donc on oublie tout ce qui est à côté. Soit le plan économie circulaire de la région, ça sert juste à trouver un centre d'enfouissement des déchets dangereux. Et donc bon, on sent bien que on cherche un territoire quelque part un peu poubelle de la ville. Donc il n'y a pas une gouvernance partagée qu'on pourrait appeler à être plus interterritorial, c'est-à-dire mélange un peu plus les relations entre territoires et qui peut-être aller vers une convergence d'intérêts de ces territoires-là. Donc ça, c'est déjà une chose qui est importante, au moins à cette échelle-là, de réfléchir à ça. En France, par exemple, on réfléchit à des plans d'alimentation territoriaux, ce qui semble être une bonne idée, mais encore une fois, l'échelle est beaucoup trop resserrée et ça ne permet pas de vraiment se concentrer sur la consommation. En tout cas, et se concentrer sur comment réduire la consommation aussi, parce que c'est quand même tout un pan aussi qu'on oublie quand on parle de métabolisme urbain et d'économie circulaire, on oublie ces stratégies qui viseraient quand même à déconsommer ou dématérialiser les filières sur le plus long terme. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout encore entendable dans les pouvoirs publics ou autres, donc petit à petit, on y viendra.
Et pour les grandes filières mondialisées, c'est très compliqué, d'autant plus que il y a le cours des matières premières qui influe beaucoup sur la structuration, même en France. Hein. Moi, je fais beaucoup d'entretiens auprès d'acteurs professionnels et souvent, une des premières variables, c'est le coût des matières premières qui est décidé à Londres et qui, selon une déclaration en Chine, peut complètement varier de manière extrêmement importante. Alors, c'est vrai qu'on va quand même plutôt forcer vers une relocalisation d'un certain nombre d'activités, notamment parce que la Chine a décidé de passer d'une économie industrielle à une économie de services et puis d'autres choses, même si on voit que finalement c'est juste pas très loin de chez elle où ça se passe, le traitement des déchets. Mais peut-être que ça force aussi les acteurs professionnels à un peu se resituer dans leur territoire. Que c'est pas finalement une si mauvaise chose, même si c'est très dur. Il y a beaucoup d'entreprises, notamment dans le traitement des déchets, qui ferment du fait de ces cours de matière qui s'écrasent. Mais ça redonne peut-être un second souffle aussi à cette structuration de filière. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'il faut, je ne suis pas dans le sens de dire, il faut, comme d'autres, réouvrir des mines industrielles en France, réouvrir, il y a quand même tout ce discours-là maintenant qu'on entend qui fait un peu peur. Mais au moins relocaliser un certain nombre d'activités, peut-être justement en faisant en sorte qu'elles soient plus dématérialisées, plus désindustrialisées, mais qu'il y ait un bouclage plus des flux à proximité. Donc là, on parle un peu d'une planification économique d'un territoire et qui, évidemment, c'est dur à entendre quand on parle de réindustrialiser, pas tout type d'industrie, mais quand même réindustrialiser. Au niveau de compétitivité, c'est pas ce qu'il y a de plus vendeur. Et tu as parlé après de la déconsommation, de la décroissance, tout simplement. Pas non plus quelque chose de très vendeur. Donc j'ai un peu du mal à savoir comment on passe de quelque chose de prometteur et sexy qui est l'économie circulaire, qui est beaucoup aujourd'hui pour des grands groupes ou alors des start-up. Donc tu as un peu les deux extrêmes, l'efficacité énorme et après les bonnes idées, mais ça se mélange pas trop, quoi, à quelque chose de plus. Au niveau des villes, quoi, parce que a priori Nantes ou Rennes ou Bruxelles, on n'a pas forcément la capacité d'accueillir dans les parages un grand centre industriel qui va pouvoir revaloriser certains flux. Donc, on va devoir faire ce pas ou ça, c'est autre chose qui va devoir. Oui, non, c'est pas ce que je dis. Il ne faut pas réimplanter des grands centres industriels, mais plutôt essayer de repenser le maillage territorial de petites installations. Ça, c'est plutôt ce sur quoi je travaille. Et notamment, tu l'as dit, il y a beaucoup d'initiatives qui se réclament de l'économie circulaire. C'est pour ça qu'on ne peut peut-être pas faire une croix aussi vite sur ce concept-là, parce qu'il y a beaucoup de choses positives qui émergent, avec d'ailleurs des logiques vraiment de réduction de la matière, réduction de la consommation, prévention, donc c'est quand même intéressant. Donc à Nantes, comme ailleurs, il y a une nébuleuse un peu comme ça d'activités qui aussi du registre de l'économie sociale et solidaire, souvent, qui a la capacité, clairement, de reboucler un certain nombre de flux ou de même être une vraie force de proposition dans l'approvisionnement de matériaux de construction, de biomasse et tout en sensibilisant à plus de déconsommation, encore une fois, ou de dématérialisation. Donc là, il y a quelque chose qui, pour moi, est plus vendeur, comme tu dis, même si c'est toujours un peu délicat de vendre du rêve dans ce sens-là, mais en tout cas qui est, je pense, une perspective plus prometteuse qu'un regroupement industriel très puissant à proximité des villes qui, là, me semble un peu éloigné quand même de ce qu'on peut imaginer. Mais là, tu parles déjà d'un parti pris de l'économie circulaire qui est celui de plus de travail que plutôt plus d'efficacité, entre guillemets. C'est vrai. Parce qu'au final, c'est moins efficace, quoi. L'économie sociale et solidaire n'est pas là pour être efficace, elle est là pour employer plutôt. Ouais, et plus régénérante. Ouais. C'est vrai que c'est un mot qu'on entend de plus en plus parler, qui, je pense, va percoler parce que c'est un terme intéressant qui régénère des capacités de production, des flux, plutôt que juste
curative ou de valorisation qui sont là. On voit bien l'idée de faire une plus-value sur des économies d'échelle, clairement. Donc bon, là, c'est sûr, il y a un peu deux courants assez opposés. Pour l'instant, on va voir qui va gagner. Voilà, celui qui aura le plus d'infrastructures, je pense. Et c'est ce qui m'inquiète un tout petit peu avec toute la myriade d'initiatives, c'est qu'ils développent les idées, ils prennent tous les risques jusqu'au moment où on a quelque chose de viable et puis pof, c'est la grande entreprise qui y va. Et tu vas me dire... Pourquoi pas? Après, moi, je ne suis pas contre grand, petit, il n'y a pas du tout un parti pris. Hein. C'est plutôt quelle est la logique derrière, quel est l'objectif visé. Mm-hmm. Et donc ça, on peut pas se tromper. Quoi. Et quel est l'ancrage aussi réel au territoire ou pas quoi. Mais on a tourné pas mal autour de cette question-là et je pense que j'aimerais bien avoir ton avis vu que tu as eu... on a eu l'opportunité que tu regardes de manière plus critique le programme régional d'économie circulaire à Bruxelles. Autour de toutes ces questions un peu qu'on a abordées, quand tu lis ce programme, quand tu lis ces deux premières années, quelles sont tes premières impressions et vers quelle direction doit-on éventuellement aller ou changer? Bon, déjà, c'est un exercice un peu difficile, c'est une critique bienveillante, parce que c'est déjà bien que des gens essayent de faire des choses et se posent des questions. Donc déjà, rien que ça, chapeau. Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'effectivement, j'ai vu beaucoup d'initiatives dans beaucoup de... on va dire de secteurs variés, et donc j'ai l'impression que la diversité est vraiment exhaustive et présente. Beaucoup de choses sur justement les questions d'emploi, les questions de structuration de filières, les questions aussi un peu plus sectorielles de logistique, de construction, d'alimentation. Donc moi j'y vois vraiment, toutes les cases sont cochées, c'est hyper intéressant. Ce que je voyais, c'est vrai, ce dont on parlait un petit peu, la question vers quel type d'efficacité on va. Et donc c'est vrai que là, on en revient un petit peu aux études de métabolisme urbain qui servent à ça, aussi à développer un certain nombre d'indicateurs qui vont montrer quelle est vraiment, on va dire, l'efficacité d'un programme sur le plan matériel, sur le plan de la consommation, sur le plan du recyclage, sur le plan de ce qu'on appelle l'addition stock, sur le plan de l'externalisation aussi, parce que c'est un peu facile d'externaliser tout un tas d'activités polluantes et industrielles et dire on a un métabolisme urbain hyper performant en se comparant aux autres, donc il faut bien comparer ce qui est comparable, c'est peut-être un risque aussi de cette notion-là. C'est vrai, se donner un peu d'indicateurs pour vraiment montrer où on en est, tout en acceptant de pas maîtriser tous les paramètres. Hein. Clairement, tout ne dépend pas d'une région. Surtout quand on connaît la circulation des flux mondialisés, mais telle qu'elle est. Mais en tout cas, se donner un petit peu comme ça des indicateurs, des grands indicateurs avec quelques objectifs dans l'optique. De réduire ses consommations, de limiter ou au moins limiter l'addition stock, parce que c'est vrai que c'est aussi une gangrène dans les villes, de stocker toujours plus de matière pour quoi faire, c'est assez peu transparent, boucler les flux quand c'est nécessaire et où c'est nécessaire. Et je pense que tu as mis le point sur quelque chose de super intéressant qui est en fait cette incertitude et tous les paramètres dont on n'est pas acteur et où on n'est pas, on peut pas changer grand chose. Et je pense que là, les villes ont encore du mal à se positionner, c'est-à-dire ils se disent c'est en dehors de mon territoire de juridiction, je peux pas faire grand chose. C'est la même chose à Bruxelles. La région est assez limitée en espace et la métropole déborde de ces régions administratives. Donc ils se disent on peut pas faire. Donc ça c'est déjà dur. Et après il y a aussi tu as parlé des incertitudes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, disons, on a pu quantifier il y a quelques années le métabolisme de Bruxelles en grande tendance et les grands flux, entre guillemets, mais les initiatives restent localisées et des fois très innovantes où on n'a pas de données, des fois trop innovantes et du coup on ne sait pas où les mettre, dans quelle case on les met. Et du coup, je pense que l'enjeu un peu des villes en ce moment, ils disent et quoi? Comment je sais si je vais vers le circulaire ou pas? Est-ce que tu as su voir une évolution ou grâce aux écrits ou aux actions, tu te dis
ah bah ouais, on peut aller vers du plus circulaire, ou alors il faut redoubler les efforts dans cette direction ou l'autre direction. Ouais, il y a un certain nombre de critères qu'on peut émettre. Déjà, c'est vrai que la question des signaux faibles, est-ce que c'est surestimé, est-ce que ça ne l'est pas, c'est toujours un peu difficile. On ne peut pas évaluer non plus quelque chose qui débute sur le plan que des flux, parce qu'évidemment, ça paraîtra hyper marginal. Donc là, on passe à côté de quelque chose, forcément. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas un effet sur la circulation des flux, à quoi bon? Ou si c'est pour juste faire du développement économique, à quoi bon? Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de l'économie circulaire pour ça, ou d'autres choses. Donc voilà, c'est vrai que se donner un certain nombre de critères pour voir les choses avancer sans que ce soit aussi du marketing, parce qu'il y a beaucoup de choses autour du marketing. On installe notre petite innovation technique qui gère 5% du flux qu'on met toujours en avant, et 95% sont gérés dans une installation, on va dire, peu fréquentable, un peu que sur laquelle on communique moins. Donc c'est quand même souvent aussi ce qu'on voit dans tout un tas de filières. Donc là, il y a peut-être quelque chose aussi à essayer de voir un peu, essayer de faire la balance entre ces deux choses-là. Mais là, j'ai pas de réponse, évidemment, toute faite, c'est sûr. Tu as un peu, comme tu dis, identifié un peu les faiblesses certaines d'un exercice de devenir plus circulaire. On est sûr qu'on va avoir des faiblesses, c'est normal. C'est un enjeu beaucoup trop grand. Surtout pour une période de 4 ans, en tout cas. Est-ce qu'il y a des recommandations que tu te souviens, ou des choses qui t'ont frappé en disant « il suffit que » ou est-ce qu'il y a des choses évidentes pour mettre en place pour devenir plus circulaire? Par exemple, pour connaître un petit peu le plan économie circulaire de Nantes Métropole, il y a 3 axes autour de l'alimentation, autour des petits objets matériels et autour des matériaux de construction. C'est par exemple, on s'est rendu compte que Nantes Métropole avait des grands projets infrastructurels urbains, mais n'avait pas la connaissance des flux qu'ils allaient générer. De l'approvisionnement nécessaire, c'est même assez peu, la connaissance est assez peu consolidée. Et donc, par exemple, on se disait tout simplement regarder sur des projets urbains, les séquencer de manière à réutiliser, réemployer un certain nombre de matériaux, parce qu'on sait qu'in situ c'est possible pour une partie, mais que c'est compliqué pour une autre, avec des plateformes de transit pour d'autres projets urbains, c'est tout à fait envisageable. Ça demande beaucoup, beaucoup plus de boulot, clairement, pour les services, parce que ça veut dire que tout doit être calé, qu'il faut qu'il y ait une typologie des matériaux. Donc là, on est un peu dans cette phase où on est face à tout ça, à toutes les complexités à lever pour mettre en place ce genre de planification. La typologie des matériaux, les entreprises qui vont vraiment s'inscrire dans cette démarche, en évitant ceux qui vont juste vouloir en profiter. La question aussi de tout simplement parler des compétences des services des villes. Elles n'ont pas toutes les compétences, même en termes, d'obligations en termes de collectivité territoriale. Et puis elles n'ont pas non plus les sujets, elles connaissent peut-être pas non plus tellement bien. Et il y a aussi tout simplement le côté achat public, où je ne sais pas comment ça marche en Belgique, mais les appels d'offres sont hyper, en France, cloisonnés, contraints, et donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas privilégier une entreprise locale, on ne peut pas privilégier un type de traitement. Tout ça reste du marché libre, donc c'est difficile de s'insérer des contraintes plus variables, plus circulaires, ou plus métabolisme urbain là-dedans. Oui, il y a quand même pas mal de boulot, pas mal de choses à faire. Je pense qu'on a couvert pas mal de questions. Juste pour finir, quel est le rôle de la science, ou quel est le rôle de nous, chercheurs, dans cette quête de circularité? Est-ce que c'est ce regard uniquement critique? Est-ce qu'on peut également être acteur d'une certaine manière? C'est vrai que c'est difficile. Des fois, moi, j'ai l'impression d'être un peu schizophrène. Des fois, on est vraiment dans l'observation critique, surtout quand, par exemple, on manipule des données de flux. Ouais. On est sur des bases de données qui datent un peu. Et donc ça, pour les partenaires, ça paraît toujours assez étonnant quand on parle de 2015, alors qu'eux, ils sont plutôt vers 2020. Pour autant, ça nous permet d'avoir des perspectives sur des scénarios envisageables, ou au moins qu'on peut regarder à moyen terme. Donc ça, c'est quelque chose
chose aussi qui, pour lequel ils sont un peu dans l'attente. Après, voilà, c'est ce positionnement-là en termes d'observateur un coup, critique, et puis préconisateur, évaluateur, elle est assez difficile à voir. Et en plus, bon, sans parler du fait qu'on manque de temps, de toute façon, pour le faire, et qu'on nous demande des fois des choses qui sont assez éloignées. Mais bon, on essaye quand même. C'est vrai qu'il y a un rôle, comme les partenaires publics, les privés ont un rôle aussi à jouer. Donc tout le monde doit essayer de rester un petit peu dans son giron de compétences là-dessus. Merci Jean-Baptiste. Merci à toi.